C'est deux types, Maxo et Julo. Ils ont un petit bouclard dans le sentier. Et vous savez peut-être que vous ne savez pas, mais chaque année, dans le prêt-à-porter, il y a une couleur qui domine. Une année, c'est le noir, une année, c'est le violet, une année... Bon. Et eux, mais c'est les grands couturiers qui décident de la couleur. Ce n'est pas les types qui ont des bouclards. Et eux, ils veulent plus malin. Ils disent, je t'en prie, tu sais ce qu'on va faire? On va deviner la couleur avant tout le monde. Parce que nous, on est très forts. Il fait, tiens raison. Comme si on fabrique avant tout le monde. Et quand la couleur, elle arrive, comme on a la couleur, on est milliardaire. Fais d'accord, d'accord. Allez, qu'est-ce que c'est l'eau? Tu penses du rose? Non, pas le rose. Le vieux, non, le vieux, c'était il y a 2 ans. Tu sais quoi? Le vert. Le vert. Tout sur le vert. Le vert, c'est une merveille, le vert, c'est une merveille. Cette année, ça sera le vert. Genre. Ils font des kilomètres de vert. Arrive la sortie, et c'est le bleu. Il se regarde, il fait, je t'en prie, on a du bleu, nous. Il fait, attends, je vais voir. Je crois pas. Je crois qu'on a un peu de vert. Ils sont en train de se suicider. Ils sont ruinés. À ce moment-là, il y a un type qui arrive, costume, cravate, avec une mallette. Il fait, bonjour, messieurs, écoutez, je voudrais vous... Oui, non, si c'est pour du bleu, on n'a pas. Voilà. C'est pas compliqué, foutez-nous la paix, parce qu'on est en déprime, on va se suicider, on n'a pas de bleu. Il fait, non, 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 c'est pas ça. Justement, j'ai un gros problème. Voilà. Je suis chargé par plein de pays africains de renouveler les tentes, les uniformes, les chaussettes, les couvertures, les bérets. Et alors je cherche dans tout le sentier, je cherche du vert et je ne trouve pas de vert. Est-ce que vous auriez du vert? Parce que je suis très embêté. Les deux, ils se regardent. Dis-moi. Je t'en soumis. On a du vert. Là, tu fais, attends, je vais voir. Il va dans la boutique, il fait, il revient, il fait au type, on a un peu. C'est un coup de chance, on a juste eu 200 000 kilomètres. Tu fais, voilà un chèque de 20 millions. Et si dans une semaine, vous n'avez pas reçu un télégramme qui dit que la commande est annulée, vous pouvez commencer à lancer la fabrication. Super, une semaine, ils attendent une semaine. Et la camionnette de la Poste, elle passe 2 fois par jour. Alors, premier jour, la camionnette, elle passe. Matin, le soir, il ne se passe rien. Deuxième jour, il ne se passe rien. Eux, ils prient. Toute la journée, ils prient. Arrive le dernier jour. La camionnette, le matin, elle arrive. Elle passe devant le magasin. Elle ralentit. Ils font, mais merde. Elle rentre, elle s'en va. Ah, merci, il reste une camionnette. Le soir, elle arrive. Il la voit arriver de loin, tu sais, comme au cinéma, comme ça, machin. Elle freine, elle dépasse le bouclard, elle s'arrête, elle recule. Ah, le type, il descend et il fait, j'ai un télégramme. Non. Les deux, ils se regardent, fait, on est mort. C'est une catastrophe. Vas-y toi. Bon, j'y vais. Tant pis, j'y vais. Il va, il prend le télégramme, il ouvre le télégramme, il fait, c'est extraordinaire, ta mère, elle est morte.